Ensemble. Tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. One, two, let's go. Saisis mon cœur, tu ébouilles mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Tu donnes sens à mes rêves, tu tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne tout ensemble. Je te donne tout. Que ton règne vienne, prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir de ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, c'est toi qui prends toute la place en moi. Pour que le monde voit la lumière. Mon Dieu, c'est toi. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes. Oui, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi, crie vers toi. Oh, 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 oh. Alors, soyez le bienvenu ici au Centre Rêve International. Bonjour Québec, Lac-Saint-Jean et tous ceux qui nous suivent par le biais de la radio 92,7 ici à Ottawa-Gatineau. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Et ici au Centre Rêve, est-ce qu'on peut faire un cri de joie? Amen. Alors, on vous souhaite un bon anniversaire du Canada et ce matin, on va se réjouir, on va danser. Quittez vos bancs, venez ici devant, on va danser pour la gloire de Dieu. Alors, Saint-Esprit, on te donne le bienvenu dans ta maison. Bénis ton peuple, glorifie ton Saint-Nom, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. On y va ensemble. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ici dans ce lieu? Est-ce que vous réalisez que vous êtes comblés d'être ici dans ce beau pays? On a la liberté de louer notre Dieu. Ça fait 150 ans qu'on est libre de s'exprimer, on est libre de louer le Seigneur. Donc prenez cette opportunité, prenez ce temps ce matin pour rentrer dans la présence de Dieu parce qu'on peut le faire et on est libre de rentrer avec audace devant notre Seigneur. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, on loue le Seigneur en battant les mains. Tout le monde en bat les mains comme ça. Si vous êtes heureux ce matin, je vais entendre le cri de joie après toi. 1, 2, 3. Alléluia. Chantons ensemble. Tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3, let's go! C'est toi! C'est toi qui saisis mon cœur. Tu ébouillis mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Tu donnes sens à mes rêves. Tu tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Yeah. Je te donne tout ensemble. Je te donne tout. Que ton règne vienne en tout ce qui est en moi. Mon seul désir de ce monde, c'est plus que toi. Quand je m'abandonne, c'est toi qui prends toute la place.
vers toi. En toi plus rien n'est caché ensemble. En toi plus rien n'est caché. Que ma vie te révèle ici. Et sur la terre que toute la gloire te révèle. Je te donne tout, chantons-le ensemble. Je te donne tout. Que ton règne vienne. En tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde. Quand je m'abandonne, c'est toi qui prends toute la place en moi pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes. Oui, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi. Libère-moi. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Allons ensemble. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le ciel proclame ta grandeur, les océans crient ton nom, les monts.
montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Allons-y, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh Seigneur, mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh oui Seigneur, mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh chantons Seigneur, mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh le Seigneur, ta grandeur, les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi, avec tout ton peuple, je suis sauvé. Le ciel proclame ta grandeur, les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi, avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Seul Seigneur, je veux t'adorer. Tu es mon sauveur. Je veux t'adorer. C'est toi qui m'as aimé le premier, Seigneur. Je veux t'adorer. Tu es tout, Seigneur. Je Allez.
Alléluia. Ensemble avec les anges. Alléluia. Élevons nos voix chantant. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Reçois le nom, Seigneur, ce matin. Reçois la gloire. Nous t'élévons, tout-puissant, qui tu es. Élevons, Seigneur. Nous vont s'élever pour t'adorer, Jésus. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Oh, t'adorons-moi. Merci pour ce temps, Seigneur. Tu es si puissant et maître. Alléluia. Nous te proclamons, Seigneur, ce matin. Comme le sonnant le dit, Seigneur, les montagnes devant toi, c'est pour ça nous prosternons devant toi. Tout puissant, majesté, tu es. Par ta grâce, mon cœur t'appartient.
suffisent. Tu es mon seul désir, Seigneur, m'entends mon cri, te connaître à jamais. Ton grand amour inonde tout mon être, c'est toi que je recherche. Oui, tu es tout. Devant nos mains. Moi, Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaître jamais. Yeah, yeah. Comment élevons nos voix ce matin pour ce beau pays que nous avons, le Canada? Comment déclarons la main toute puissante de Dieu? Ceux qui sont par le biais de la radio ce matin, Radio Vinivelle 92,7, et ceux en ligne, nos campus, Québec, Lac-Saint-Jean, prions pour le Canada, ce pays béni, ce pays rempli du Saint-Esprit. Chaud aussi que la bande dans la chair. Ton grand amour, inonde tout. C'est toi que je recherche, oui tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Oh, alléluia. Merci. Thank you.
Seigneur Jésus. Père, on veut juste te remercier pour les libertés que nous avons ici au Canada. Liberté d'expression, la liberté de la religion. Père, on te remercie que le Canada demeure un pays où on peut continuer à proclamer l'Évangile. Père, on te remercie que chacun d'entre nous, on va prier davantage dans cette direction, Seigneur. Père, merci. Merci que tu envahisses ce pays, Seigneur. Merci, Père, on a besoin de ta présence. Père, on te remercie. Pendant ce 150e anniversaire de ce pays, Père, qu'on puisse se souvenir de nos racines, qu'on puisse se souvenir du fondement de ce pays. C'est toi, Papa. C'est toi, Papa. Père, tu nous appelles à être une nation qui est une bénédiction, une nation qui apporte la paix. Et Père, je te remercie pour le beau Canada. Père, je te remercie que nous sommes une nation prospère. Je te remercie qu'on est une nation qui avance. Mais Père, qui avance vers toi, Seigneur. Je déclare, Seigneur Jésus, que le cheminement du Canada ne va pas dévier, Seigneur, mais qu'on va rester ancré sur ta parole. Père, on te remercie. Comment on fait juste commencer à remercier le Seigneur parce que ce pays vit la prospérité à cause de mon Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Show. Invitons le Saint-Esprit maintenant. Invitons le Saint-Esprit. Comment, invitons-le dans cette place. Invitons-le dans ce lieu. Invitons-le dans nos foyers, dans nos écoles, sur cette nation, sur notre gouvernement. On déclare que le Saint-Esprit coule. On déclare, Seigneur Jésus, que ta présence inonde les cabinets, Seigneur Jésus. Père, que ta présence puisse inonder les ministres, Seigneur Jésus. Père, surtout remplis ton Église de ta gloire, Seigneur. Père, nous sommes ton Église dans ce beau pays. Remplis ce pays de ta gloire. Merci, Jésus. Alors, on va chanter ce beau chant, Stephen. Our land. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on God for thee. Oh Canada, we stand on God for thee. Amen. Woo! Encore, encore, encore. Woo! Come on, keep fucking so. Un, deux, trois. Amen. Au moins, il y a une couple qui sont jeunes d'esprit dans la congrégation qui est drapeau. On vous salue aussi. Pendant qu'on ramasse les offrandes, nous avons reçu un témoignage de l'île Maurice. Vous savez que notre émission Réveil va loin et puis l'Internet va loin aussi. Et c'est Anouchka de l'île Maurice qui dit « Bonsoir, je ne peux me retenir de vous écrire car je suis tellement reconnaissante pour les messages que j'écoute sur votre site Internet. Il y a environ 3 semaines, je suis tombée sur une de vos prédications « Vivre au max » sur le site enseignemoi.com. De là, j'ai recherché le site et depuis 3 semaines, je me nourris de ces messages que je télécharge sur mon portable.
Je les écoute tous les jours depuis 3 semaines. J'ai écouté plusieurs de vos messages et c'est sûr que j'en avais besoin et je les partage avec mes amis de l'île Maurice. Je ne vous connais pas, mais je vous aime. Encouragez-nous et partagez vos messages, on en a besoin. Et priez pour moi. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Et c'est avec joie et reconnaissance que je vous écris. Vous ne pouvez imaginer comment je suis édifiée, encouragée et bénie par vos messages depuis ces 3 semaines que j'ai découvert sur le site. Soyez tous richement bénis et continuez. Donc, je voudrais remercier personnellement tous les partenaires de télévision, tous ceux qui sont partenaires avec nous, que vous donniez 25, 50 par mois. Ça nous permet de passer sur les ondes, d'aller sur enseignemoi.com. Et l'île Maurice est touchée à cause de vous. Donc, merci encore pour vos dons. Alors, ce matin, avant de prier pour les offrandes, on aimerait accueillir Christelle et Steven qui vont nous faire un spécial Lord Heal Our Nation or Heal Our Land. Alors, on peut les accueillir ensemble ce matin. Amen. Dans 2 Chroniques 7, 14, ça dit, si mon peuple qui est invoqué par mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Merci Seigneur, parce que la main de Dieu est sur notre pays, ça fait 150 ans, et ça continue, puis on va de gloire en gloire. Amen. Alléluia. You take our life, flawed yet beautiful, restore, revive, Lord, you're merciful, redeem, revive, Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word, we pray. Every nation, Christ be known, our hope and salvation, Christ alone. You bow, you wipe, as divisions fall. One church, one. Lord of all, with one voice we cry, Spirit of God, breathe on this church, pour out your presence, speak through your word, we pray in every nation, Christ be known. Our hope and salvation, Christ alone. Christ alone. So God, we pray to you, humble ourselves again. Lord, would you hear our cry? Lord, would you heal our land? That every eye will see, that every heart will know, the one who took our sin, the one who died and rose. So God, we pray to you, humble ourselves again. Lord, would you hear our cry? Lord, would you heal our land?
speak through your word. We pray in every nation, Christ be known, our hope and salvation, Christ alone. Québec, on vous aime, Québec. Je vais parler de vous un peu aujourd'hui du Québec et puis aussi le lac Saint-Jean. Vous faites partie de cette église, de cette assemblée. On vous aime. Merci d'être venu ce matin. Et ensemble, on célèbre, je crois, un des plus beaux pays dans le monde. Combien d'entre vous êtes convaincus de cela? Ses richesses infinies. Dieu nous a bénis. Dieu nous a fait prospérer. Je sais que ma femme, elle dit que la Suisse est le plus beau pays à voir. Le Burundi, c'est comme la Suisse apparemment, hein, la petite Suisse. Alors, merci Seigneur pour ce pays qui a des fondements qui sont bibliques. Et on va découvrir ensemble ce matin ces fondations. Et il ne faut pas oublier les chemins par lesquels nous sommes venus pour arriver jusqu'à ce jour. Et il y a un passage clé que j'aimerais vous lire ce matin, et pour ceux qui sont à la radio, se retrouve dans Jérémie 6, chapitre 6 au verset 16. Jérémie, chapitre 6 au verset 16. Et on va regarder ce passage ensemble. Et juste avant de lire ce passage, je vais juste vous mentionner quelques différents facteurs ou faits du Canada. Peut-être que vous ne saviez pas. Qui ici aime le basketball? Bon. Est-ce que vous savez que le basketball a été inventé par un Canadien qui s'appelait James Naismith? À cause de la neige, il a dit qu'il faut découvrir un sport qu'on peut jouer à l'intérieur. Et il a inventé le basketball. Oui, il l'a inventé aux États-Unis, mais c'est quand même un Canadien. Est-ce que vous saviez que même au Canada, on a inventé le skidoo? Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un appareil pour se déplacer dans la neige. Alors, on n'a pas besoin de ça dans les pays chauds, mais ici, oui. Un petit fait, vous imaginez, et ça, mon frère, c'est pour vous, le record de neige au Canada était de 145 cm dans une journée. De la neige froide, on peut faire des glaçons, on peut faire des toutes sortes de 145 cm, je ne sais pas comment, oh là, mais c'est de la neige, hein, ouais. En centimètres, je suis habitué en pouces. Ouais. Tout ça pour dire que c'est beaucoup, beaucoup de neige. Nous sommes le deuxième plus gros pays, la superficie, dans le monde, juste derrière la Chine, qui a 17 millions de kilomètres carrés. Nous avons environ 13 millions quelques. Dieu est bon au Canada. Dieu règne sur toutes les parcelles de terre dans ce pays. Et je déclare que nous allons devenir une voix prophétique dans cette nation. Il y a environ deux semaines passées, j'étais dans un temps de prière. Le matin, nous prions entre 9h et 10h ici au Centre Éveil. Et j'étais dans un temps de prière et à la fin de la prière, l'Éternel me dit, Dieu est venu juste parler dans mon cœur et dit, vous allez être une voix dans cette nation. Et vous savez quoi? Dieu me dit, je vous ai stratégiquement positionné dans la capitale, à Ottawa, pour avoir de l'influence au sein du gouvernement. Et je crois que s'il y a des ministres qui nous entendent ce matin, je vous souhaite aussi la bienvenue à la diffusion en direct du Centre Éveil International. Et on vous aime et sachez qu'on prie pour le Canada, on prie pour ses ministres, on prie pour nos députés, on prie pour tous ceux qui sont responsables, on prie pour la sécurité de ce pays. Hier, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, merci qu'il n'y aura pas d'attentat, merci qu'il n'y aura pas aucune folie des hommes un peu perturbés. On te remercie que tu nous protèges. Et vous savez, c'est une chose incroyable et parfois qu'on peut prendre pour acquis, c'est cette liberté, c'est cette paix que nous avons dans ce pays. Il y a des pays où est-ce qu'ils n'ont pas la paix et même certains d'entre vous peut-être venez d'un pays où il y a eu la guerre, où il y a eu l'incertitude, où il y a eu le manque de paix. Mais on vous souhaite la bienvenue au Canada si vous êtes nouveau
ici au Canada ou ça fait des années que vous êtes ici, si vous êtes né dans un autre pays, on vous souhaite la bienvenue une fois au Canada et au Centre Éveil International, parce que je crois que c'est important d'accueillir toutes les nations qui vont venir dans ce pays et de les aimer comme Christ a aimé l'Église. Je vous aime, Canadiens, Canadiennes. À la radio aussi, vous êtes bienvenus. Nous avons beaucoup de nations représentées ici au Centre Éveil. Et je disais à mon équipe, n'est-ce pas beau d'avoir tellement de diversité culturelle? La variété. 21 nations sont représentées ici même au Centre Éveil International. Alors, nous sommes une Église internationale. Amen. Jérémie 6. Chapitre 6 au verset 16 nous dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Ici, c'est le prophète Jérémie qui est dans le milieu d'un peuple rebelle, un peuple qui a oublié les voies par lesquelles il a passé. Et Jérémie était dans une position assez difficile comme prophète, car il devait parler des choses que l'Éternel mettait dans son cœur et parfois les gens ne voulaient pas l'écouter. Combien de fois Dieu nous appelle à avoir une voix? Et Dieu appelle cette Église à avoir une voix. Il ne faut pas taire cette voix. On doit rechercher comme Église et prier que Dieu nous donne la sagesse et le discernement comment aborder les choses qui concernent et qui touchent la liberté de l'Église de Jésus-Christ au Canada. Et c'est notre responsabilité en tant que citoyens, citoyennes, femmes et hommes de Dieu de ce pays de se lever et de dire, d'exprimer ce qui ne va pas parfois. D'avoir, d'oser, comme le prophète Jérémie, dans une nation perverse, une nation perdue, d'oser ouvrir la bouche et de dire, retournez vers l'Éternel, votre Dieu. Retournez vers celui qui peut faire la différence. Come on. L'Éternel nous appelle à avoir une voix dans ce beau pays du Canada. Vous savez, toute chose a un début. Le Canada a eu un début. Et vous savez, même ce drapeau, ça fait seulement 100 ans qu'il est en vigueur. 100 ans, pas plus. On avait d'autres drapeaux qui représentaient le Canada, puis ils ont changé le drapeau il y a environ 100 ans. Juste un petit fait, by the way. 67? Non, c'était pas celui en 67, ça je peux vous garantir. Vous faites vos recherches à 100%? Non. Alors, écoutez bien. Écoutez bien ce que je vous dis. Dieu s'apprête à descendre comme une rivière au Canada. Dieu s'apprête à descendre sur notre nation. Comment? Moi, je désire la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que 50, c'est le chiffre du Saint-Esprit. Et 100, c'est la promesse d'Abraham. Parce qu'Abraham a enfanté, pas Abraham, mais sa femme, a enfanté un fils. Il avait 100 ans. 150, je crois que la promesse de Dieu, Saint-Esprit, s'apprête à descendre sur notre beau pays du Canada. La promesse, la rivière de Dieu s'en vient. Come on. Vous savez qu'il y avait des habitants qui étaient ici avant que les Européens arrivent. Et ça, c'est le peuple autochtone. Les Autochtones du Canada sont les Premières Nations, les Inuits et les Métis, qui forment, selon le slide, 1 million, mais maintenant révisé. J'ai pas eu le temps de réviser. C'est 1,4 million. 64% font partie des Premières Nations. Autrement, on les appelait peut-être les Amérindiens. C'est eux autres, là, avec les flèches et tout, là, qu'on voit dans les films parfois, c'est ça. Là. 30% sont métis et 4% sont inuits. Alors, ils représentent environ 4,3% de la population canadienne. Est-ce que vous savez combien de Canadiens, Canadiennes que nous avons, combien de la population canadienne actuelle? 36,6 millions. Un petit peu plus gros que l'Australie, un peu plus petit que la Californie. Ouais. Pour ceux qui ont des oreilles. 990 ans après Jésus-Christ, il y a un peuple que j'aime bien étudier l'histoire
c'est les Vikings. Les Vikings ont quitté l'Angleterre et tout ce qui est au nord de l'Angleterre, les hommes du nord qu'on appelait, les Vikings de Scandinave, des hommes robustes, barbus, un peu comme Dave. J'ai dit, mais t'attends un Viking davantage. Alors, ils ont exploré la côte, ils ont exploré Labrador, Terre-Neuve, il y avait aussi les Normands, et peut-être probablement les Basques aussi, mais en tout cas. L'explorateur Jean Cabot aussi est venu réclamer Terre-Neuve en 1497. Ici, on parle de très loin en arrière, pour l'Angleterre. Et en 1534, vous avez sûrement entendu parler de la belle histoire de notre Jacques Cartier qui a réclamé une partie de cette nouvelle terre pour le roi de la France qui l'appelait la Nouvelle-France. On a fait un film ici au Canada, La Nouvelle-France, avec Céline Dion qui chante, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais on appelait ça la Nouvelle-France qui existait entre 1534 et 1763. Alors on parle quand même un bon temps. Vous savez quelle était la capitale de cette Nouvelle-France? Et puis mes frères et sœurs québécoises, c'est écrit là, hein? Des fois ça tue un peu, des fois. Mais au Québec, on a visité l'ancienne ville de Québec. Le Québec était la capitale de la Nouvelle-France. Et c'est là que vient aussi l'histoire de Wolfe, qui était le dirigeant britannique, le militaire britannique qui a combattu contre Wolfe et Montcalm. Et puis les Français, à ce moment-là, ils ont perdu le combat. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, j'ai visité le Parlement récemment avec Pasteur Denis, nous avons pu avoir accès à des endroits vraiment incroyables. Et puis on a aussi le drapeau francophone ou le symbole de la francophonie au plafond dans la chambre des Sénats au Parlement. Mais en 1759, les troupes britanniques ont rentré et ont pris contrôle de la Nouvelle-France. Et des années plus tard, en 1866, les pères de la Confédération ont été unis pour discuter les conditions qui pourraient rassembler les provinces canadiennes ensemble. Et Leonard Tilley, qui était le premier ministre du Nouveau-Brunswick, suggère le mot « dominion ». Dominion du Canada. Et puis, à ce moment-là, il avait basé le mot « dominion » sur le psaume 72, qui nous dit « Tu vas régner d'une mer » à l'autre. Est-ce que vous avez déjà entendu ce dicton? Dans le psaume 72, ça nous dit qu'on va régner d'une mer à l'autre, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Est-ce que le Canada domine? Oui. Tout ce beau territoire nous appartient, frères et sœurs. Et notre premier ministre, écoutez bien ça, a envoyé une lettre à la reine Victoria qui lui expliquait l'importance de ce mot « dominion du Canada ». Et il a écrit une lettre pour défendre ce nom qui était un hommage au principe, écoutez bien ça, qu'il souhaitait sincèrement défendre. Il dit, nous sommes le Canada grâce à Dieu. Dieu va nous donner la dominion d'un océan à l'autre. Et voilà pourquoi aujourd'hui on célèbre le 150e, c'est parce qu'à partir de 1867, l'Amérique du Nord britannique est devenue la dominion du Canada. Et voilà aujourd'hui pourquoi on célèbre 150 ans à partir de cette date, et puis on peut célébrer ce temps. Alors, on a créé, il y avait seulement 4 provinces. Est-ce qu'il y en a qui ont étudié l'histoire? Vous saurez qu'il y avait l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Au fil du temps, ils ont développé et conçu 10 provinces avec 3 territoires. Et regardez, en 99, le Centre-Évêque vient s'établir dans la province de l'Ontario, pour influencer. Hey, on fait partie de l'histoire du Canada. Voyons, on fait partie de l'histoire de ce beau pays. J'ai même mis les couleurs en rouge et blanc. Parce que j'aime le Canada. Vous savez, je disais à ma femme, des fois j'ai de la misère à me retrouver parce que j'ai tellement voyagé partout dans le monde que j'ai eu de la misère à m'enraciner et dire vraiment, ça, c'est mon pays. J'y ai habité, pour ceux qui ne savent pas, à Toronto. J'ai habité en Colombie-Britannique. On a habité partout. J'ai habité en Suisse,
J'ai habité sur la route en France, en Belgique, en Allemagne. Voyager toute notre vie. J'habite à Saint-Eustache, Pointe-aux-Chênes, La Chute, Laval. Nommez-les. On se déplaçait. Nous autres, c'était habitué. On allait à l'école, puis on était là, puis mon père, on savait que ça s'en venait. On venait juste. À chaque année, on déménageait. Alors, imaginez l'école secondaire, l'école primaire, l'école. Alors, c'était difficile parce qu'on se déplaçait toujours. Mais Dieu nous a gardés quand même sous ses mains. Amen. Il y avait un autre fait intéressant qui reste encore à rechercher plus profondément, mais c'est que vous savez que le Canada a été peuplé par les Britanniques et les Français qui sont venus, c'est sûr, les Britanniques sont venus de l'Angleterre et les Français sont venus à la base de, on pourrait dire, la Gaule ou sont venus de Marseille, sont venus de partout en France, tout ça, sont venus ici se déplacer, bouger au Canada. Mais à l'époque, on disait que apparemment, vous en souvenez du peuple assyrien, lorsque le peuple d'Israël a été amené en captivité en Syrie par les Assyriens, il y a eu une déportation qui s'est faite après qu'ils ont quitté la Syrie. Il y a certaines tribus, il y a certains peuples qui se sont rendus, apparemment qui se seraient rendus, ça nous dit qu'il y a des prophéties qui nous dit qu'ils seraient partout dans le monde, dans toutes les nations, qui seraient dispersés, mais un jour qui seraient répatriés, qui seraient rassemblés. On a vu ce rassemblement en Israël lorsqu'Israël est devenu un État. Mais avant ça, ils devaient aller en quelque part. Alors, il y en a qui ne sont pas retournés à Jérusalem, et il y a certains qui sont montés en France, on croit, et certains qui sont montés aussi en Angleterre. C'est à partir de ces peuples qu'on est déplacés ici. Mais qu'est-ce qui est beau à propos de ça? C'est que les Britanniques, on dirait qu'ils viennent, ils disent que les peuples qui ont immigré, qui ont bougé, aujourd'hui qu'on appelle la Grande-Bretagne, étaient vraiment un peuple qui serait descendant principalement de la tribu d'Éphraïm. Vous vous souvenez de la tribu d'Éphraïm qui faisait partie des 12 tribus, faisait partie du royaume du Nord avant d'être amenés en captivité. Et apparemment, eux se seraient déplacés avec la tribu de Manassé vers l'Angleterre et vers la France aussi certainement, mais que c'est eux qui seraient venus ici pour faire une grande nation, entre autres avec les peuples qui existaient ici déjà. Écoutez bien ça. Vous en souvenez, lorsque Joseph fut apporté en Égypte, vendu en esclavage par ses frères, Joseph arrive en Égypte. Et puis, il n'a pas une condition très favorable, il demeure en prison. Il demeure dans un endroit où est-ce que personne n'entend parler de lui. Un jour, il devient chef, il devient responsable, juste sous le pharaon en Égypte. Et puis, son père, Jacob, qui pensait que son beau Joseph était mort, le retrouve en vie après une famine. Et ils viennent se présenter et Joseph n'en revient pas que son père, Jacob, est encore là en vie et qu'il peut se réunir une fois encore. Mais de ce temps-là, Joseph a eu des fils. Un de ses fils s'appelait Éphraïm et l'autre s'appelait Manassé. Et puis Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il dit, il apporte ses deux enfants devant Jacob parce que pour le peuple juif et pour toute nation, c'est important de connaître notre descendance, mais aussi d'être béni par la descendance qui vient avant nous. Alors là, Jacob, il va pour poser sa main que Joseph, il pense qu'il va poser sa main sur Manassé, qui est le plus vieux, mais non, il prend sa main, puis la déplace, puis la pose sur Éphraïm. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il était frustré de ça, mais il savait ce qu'il faisait. Il est en train de déclarer, et on trouve cette histoire, lorsque Jacob bénit Éphraïm, qui était le fils de Joseph, dans Genèse 48, au verset 19. On va les lire ensemble. Regardez ce que ça nous dit, c'est important pour comprendre les racines. Alors, Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Ce n'est pas juste, mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné en parlant de Manassé. Pose ta main droite sur sa tête. » Et son père refusa et dit ceci, « Je sais, mon fils, je sais. » Lui aussi, en parlant de Manassé, lui aussi donnera naissance à un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations.
cette prophétie devait s'accomplir. Et il y a d'autres prophéties qui parlent qui étaient pour se diriger vers les îles au nord d'Israël, qui se retrouvent vraiment les îles de la Grande-Bretagne. Alors, moi, je crois vraiment que Dieu a formé le peuple canadien en partie avec cette tribu d'Éphraïm. Come on, ce n'est pas merveilleux, ça? Les vrais, les Juifs officiels qu'on reconnaissait sont arrivés avec les Britanniques pour combattre au Québec. Vous savez que la Bible, c'est vraiment un fondement essentiel pour chaque... Vous savez que notre Canada est basé sur la parole de Dieu. Et je vais vous le montrer concrètement, de façon biblique et de façon actuelle. Dieu est mentionné partout au Parlement. On voit des passages bibliques, mais plus que ça, Dieu est mentionné dans nos chartes. Et même dans le chant, dans l'hymne national, on entend Dieu. Regardez ce que ça nous dit. Dans la préambule des lois, les chartes, la charte des lois canadiennes, regardez ce que ça nous dit. Ça, c'est la charte actuelle. La préambule, c'est l'ouverture de la loi. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. N'est-ce pas merveilleux? La suprématie de Dieu. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de combats pour garder cette préambule. Il y a eu beaucoup de combats pour garder le nom de Dieu sur notre pays parce qu'à plusieurs reprises, on a voulu éliminer cela. On a dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une préambule, une introduction à la loi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout pays qui n'a pas une introduction, qui n'a pas un début basé sur Dieu est un pays qui s'en va vers la faillite. Une vie qui n'a pas Dieu comme fondement s'en va vers la faillite. Une famille qui n'a pas Dieu comme fondement s'en va vers la destruction. Et Dieu a préservé le Canada grâce à des hommes et des femmes de Dieu qui sont venus avant nous, qui ont établi des fondements. Tourne-toi vers quelqu'un et dis « fondement ». Est-ce que vous savez que Pierre Trudeau, qui est le papa de Justin Trudeau, trouvait notre premier ministre actuel, que j'aime beaucoup aussi, on prie pour lui, mais lui trouvait étrange que certains de ses collègues voulaient une référence à Dieu dans la charte. Il aurait dit à ses députés, « Je crois que Dieu s'en fout d'être dans la Constitution ou non. » Moi, je veux dire, Dieu s'en fout pas. Dieu doit demeurer à sa place. Et vous savez qui est intervenu? 100 Huntley Street a intervenu afin qu'on garde Dieu dans les chartes. Et non seulement ça, mais aussi l'Alliance évangélique du Canada, qui est un groupe qu'on va rejoindre bientôt, je crois, par la grâce de Dieu, le groupe, l'Alliance évangélique du Canada, qui défendent les droits de la religion, qui font quelque chose de concret pour garder Dieu dans ses chartes. Et vous savez, Jean Chrétien, qui était vraiment la justice de Trudeau, était son un peu la justice, le ministre de la Justice, il dit, on a reçu tellement de lettres par rapport à ça, d'éliminer Dieu. Il dit, c'était... on voulait faire on voulait prendre le Canada qui puisse lui-même modifier ses chartes de l'Angleterre. Et c'est à ce moment-là, il y avait toutes ces choses qui se passaient en même temps. Et puis Jean Chrétien, il dit, écoute, le monde n'écrive pas à propos de ça, ils écrivent à cause qu'ils ne veulent pas qu'on enlève Dieu de nos chartes. Ça, c'est incroyable. Et puis je crois vraiment que Dieu a permis à ce qu'il se puisse avoir. Regardez la préambule originale. Vous savez qu'une société... au fur et à mesure qu'on veut extraire Dieu, qu'on veut éliminer Dieu. Regardez le préambule original de 1960, ce que ça nous dit. Et puis, il a un peu été modifié, mais voici l'original. Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine, ainsi que le rôle de la famille dans une société d'hommes libres et d'institutions libres. Il proclame en outre que les hommes et les institutions ne demeurent libres, écoutez bien ça, que dans la mesure où la liberté s'inspire du respect des valeurs morales et spirituelles et du règne du droit. Moi, je suis d'accord avec cette définition-là, beaucoup plus que celle qu'on a aujourd'hui. Il faut revenir au fondement, il faut devenir une voix, dire non, on ne va pas se faire enlever ces choses-là, car ces choses-là sont importantes pour le peuple canadien. Amen. Regardez bien ce que ça nous dit dans Deutéronome au chapitre 4, versets 5 à 9.
Tout le monde est en vie ce matin. Vous n'avez pas trop célébré hier soir. Il y en a qui ont resté debout tard. Nous, on a eu les feux d'artifice de notre Dieu. Le ciel faisait des éclairs dans notre région. J'ai dit à Kylian, ça, c'est les plus beaux feux d'artifice qu'on va jamais voir. Tout naturel. On n'a rien payé en plus pour les avoir. On avait des feux d'artifice, on n'a pas pu les faire. On a fait éclater deux, c'est bon. Entre les périodes de pluie, c'était incroyable. Deutéronome 4, versets 5 à 9, ça dit « Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, cette grande nation, et je rajoute, du Canada, un peuple vraiment sage et intelligent, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous faisons appel à lui? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Écoutez bien ça. Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Vous savez, il n'y a rien de plus important que l'enseignement de génération en génération. Vous savez, quand le peuple d'Israël oubliait l'Éternel, leur Dieu, dans un domaine de prospérité, vous savez, Dieu nous fait prospérer comme pays. Et dans cette prospérité, dans cette aisance, dans cette paix, dans ces choses, parfois on oublie, même nous. Peut-être que vous étiez très pauvre auparavant, puis Dieu vous a béni dans ce pays ou peut-être dans votre pays. Puis des fois, on oublie. Mais la source de tout ça, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui bénit ce pays. C'est pas ma main. C'est Dieu. Je le reconnais sur mon pays. Je le reconnais dans ma vie, dans ma nation. Je le reconnais que c'est lui. Regardez bien ce que ça nous dit. On voit des passages bibliques partout sur notre parlement. Est-ce que vous savez qu'à l'extérieur de la tour de paix, les passages suivants sont gravés? Sur le côté ouest de la tour de paix est gravé le Proverbe 29, 18, première partie du verset. Il dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. » Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. C'est moi qui ai pris la photo, n'est-ce pas merveilleux? Écoutez bien, quand il n'y a pas de sagesse, quand il n'y a pas de révélation, quand on y va par nos sentiments, quand on ne fait pas confiance à un être supérieur, quand on ne place pas Dieu numéro un, on se fie sur nos sentiments et nos sentiments sont trompeurs. Toute la base de ce que l'on croit devrait être basée sur la révélation que Dieu donne par le moyen de sa parole et par les temps de prière. Psaume 72, verset 1, se retrouve en face du Parlement, sur la façade directement sur la tour de paix, qui dit « Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi. » Père, on déclare ce passage sur ceux qui sont au pouvoir présentement dans notre pays, que tu leur donnes la sagesse. Amen. Et dans l'autel de la chambre commémorative, on a Éphésiens 6, 13 qui nous dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et cette pièce se rappelle et symbolique de toutes les guerres que notre beau pays a eues, malheureusement. Et puis ça nous montre la fidélité de Dieu. Même s'il y a eu des morts, Dieu était fidèle de préserver le Canada. Et moi, je remercie le Seigneur aujourd'hui pour tous ceux et celles qui ont été soit volontaires ou qui sont allés volontairement sacrifier leur vie. Vous savez que s'il y a un prix à payer pour notre liberté, on ne va jamais oublier ce que ces hommes ont fait dans le passé. Psaume 139, qui se retrouve aussi dans la même pièce, au verset 8 à 10,
Et je trouve ça beau que notre pays, ils pourront jamais enlever ça, puis c'est gravé dans les pierres. Il dit, si notre pays oublie Dieu, les pierres vont crier vers lui. Come on! Psaume 139, 8 à 10, dit, si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Come on. Vous savez que même, je vais aller un petit peu plus loin, et j'ai bientôt fini ce matin, mais vous savez que chaque province a une devise. Et cette devise est écrite en latin. Pourquoi en latin? Parce que c'est comme ça qu'ils ont décidé de le faire. Je vais juste en partager deux des devises. Et celle-ci, à Terre-Neuve, qui nous dit ceci, je ne vais pas le lire en latin, je le lis seulement en français. La devise de Terre-Neuve est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Peut-être que je suis dans mauvaise province. Non, non. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». L'Ontario, je l'ai mis parce qu'on est en Ontario, mais ça dit « Fidèle, elle a commencé ». Fidèle, elle demeure. Mais je veux rajouter quelque chose par la foi et par une voix prophétique. Fidèle à Dieu, elle a commencé. Fidèle à Dieu, elle demeure. Je le déclare sur ce beau pays. Qui a un 25 sous ici? Sortez-le de vos poches. Je vais vous montrer encore davantage. Je ne mets pas l'image tout de suite parce que je ne veux pas voler le punch. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce que veut dire DG Regina? Moi, je pensais que c'était Regina Saskatchewan. Aucune idée. Oh! Tellement de valeur. Vous voyez une belle photo de la reine, et puis juste à côté, ça dit DG Regina. DG Regina veut dire De Gracia Regina. Je ne sais pas, là, je dis en mix espagnol, latin, je vais passer encore une fois. Élisabeth II, reine par la grâce de Dieu. Ce pays fut non seulement fondé sur les Écritures, mais nous sommes un pays par la grâce de Dieu. Et je crois qu'on doit revenir à ces fondements qui nous décrivent la grandeur et la bonté de Dieu. Il y a des hommes qui ont influencé. Vous savez, ça prend un homme ou une femme. Où sont les hommes et les femmes de Dieu? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme de Dieu dans ce lieu? Comment? Yes, ça va prendre des hommes et des femmes de Dieu dans tous les domaines de la société. En 82, l'armée du salut a commencé son travail à Londres, en Ontario. Regardez, c'était Jack, Addy et Joe Ludgate. Et je trouvais ça intéressant parce que dans le quartier où ils se retrouvaient, ils faisaient beaucoup de bruit. Lorsqu'on est en feu pour Dieu, on fait du bruit. On résonne, il y a un bruit, il y a quelque chose qui se passe. Et ils faisaient beaucoup de tambours, des bruits de tambours. Et les voisins, à un moment donné, sont tannés. On dit, ils font trop de bruit, eux autres, c'est des zélés pour leur Dieu. Alors, ils voulaient passer une loi pour les taire. Et puis après ça, les deux fondateurs ont commencé à prier Dieu. Mais Dieu, c'est toi qui nous appelais à sauver ceux qui sont démunis, à les aider, à les sortir de la drogue, de l'alcool et ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut nous taire? Et l'Éternel va lui faire lire Jérémie au chapitre 1, verset 19, qui nous dit, « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Et quelques temps après, il a lu ce verset-là, et puis il se retrouve en cour. Pourquoi? Parce qu'il a continué à jouer les instruments. Et puis il se retrouve en cour parce qu'il avait enfreint la loi. Et dans la cour, il dit, « Mais... » Il dit, tu fais du bruit, tu fais des choses, alors on va te trouver peut-être coupable de toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu as à dire à ta défense? Il dit, écoutez, il y a plein de gens qui sont drogués, alcooliques. Je suis en train de les aider à sortir, je ne fais rien de mal. Et puis on dit, OK. Et tout à coup, dans la salle, il y a quelqu'un qui se lève dans la cour et dit, moi, j'étais un alcoolique et j'ai été libéré par ce ministère. Quelqu'un d'autre se lève dans la cour et dit, « Moi aussi, j'étais un ivrogne. J'étais sur la rue en train de mourir, mais j'ai eu une rencontre avec Dieu. Et ce Dieu est vrai. Il a été trouvé coupable, mais il n'a pas subi rien comme peine. » N'est-ce pas merveilleux d'obéir à Dieu, sauf obéir à l'homme? Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu. Tournez-vous vers quelqu'un et dites, « T'es un homme ou une femme de Dieu? » »
Et voici, je crois, où le Centre-Éveil va jouer un rôle aussi. Il y avait un prédicateur dénommé Robert McAllister qui a eu une rencontre dans une petite maison qui s'appelait Azusa Street avec un dénommé orateur William Seymour. Lorsqu'il parlait, le feu descendait. Il cachait sa tête dans un caisson de lait. C'était tellement puissant, les bébés arrêtaient de pleurer. C'est ça le fun, hein? Les bébés arrêtent de pleurer, personne ne parle. La présence de Dieu était tellement tangible qu'on pouvait entendre une mouche voler. Mais tellement une lourde présence. Et à ce moment, ce monsieur McAllister a été baptisé du feu du Saint-Esprit. Et il est revenu au Canada et puis il a répandu le feu. Il a prié pour les malades, ils ont été guéris. Il a reçu le parler en langue. Il a reçu la puissance de Dieu pour accomplir les miracles. Et je crois que le Centre-Éveil, nous sommes appelés à faire cela. Nous sommes appelés à prier pour les malades. Vous savez, il y a tellement de gens qui souffrent dans la région d'Ottawa. On est appelés à prier pour les malades. Vous n'avez pas besoin de les amener nécessairement ici. Oui, ils peuvent venir. Vous pouvez prier directement là où vous êtes et voir la main de Dieu agir au travers de vos mains. C'est ça qui est transformé. Charles Price, c'est un autre homme qui a touché la Colombie-Britannique. Le Québec, la même chose, des conversions, plusieurs guérisons par la puissance de Dieu. Où sont les hommes de Dieu au Canada? Les hommes maintenant qui ont influencé la politique, on termine un peu, mais un dénommé ici que je trouvais tellement incroyable, c'est John Robson, premier ministre de la Colombie-Britannique. Il fut dirigé par sa conviction, écoutez bien ça, que la stabilité de la société reposait sur des individus convertis, dont la conscience servait comme gouvernail moral. Où s'en va notre gouvernail dans les temps dans lesquels on vit? Où s'en va la morale? Vous savez, quand il n'y a pas de base, la morale est partout. Et c'est ce qu'on voit présentement. Le maire de Toronto, qui s'appelait William Howland, avait une bannière de 12 pieds affichée dans son office qui citait le psaume 127, verset 1, qui dit « Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. » Où sont les passages bibliques chez nos députés? Où est l'audace? Où est Ernest Manning, qui était le premier ministre de l'Alberta? Lui avait un programme de radio qu'on appelait l'Heure biblique nationale. Il avait environ jusqu'à 600 000 auditeurs partout au Canada chaque semaine. Et il prêchait de vivre, il encourageait les gens à vivre à la lumière de Dieu et de se préparer pour le retour de Christ. Comment ces gens-là étaient vraiment des hommes puissants et aussi des femmes puissantes qui ont été utilisées par Dieu. Nos systèmes d'éducation, où s'en vont nos systèmes d'éducation? Je pense que c'est un appel aujourd'hui à se réveiller en tant qu'Église, en tant qu'individu, voir où est-ce qu'on apporte nos enfants et dire, est-ce que c'est là que je veux former mon enfant avec ces théories qui sortent présentement, avec toutes sortes du brainwashing démoniaque. C'est démoniaque. Il faut qu'on se lève comme Église. Il faut commencer à prier. Dieu, Saint-Esprit, intervient pour nous. Intervient puis demander à Dieu, qu'est-ce qu'on fait comme Église? Qu'allons-nous faire? Pour dire non, l'éducation de nos enfants demeure sur la moralité. Les questions de moralité doivent demeurer dans les mains des parents et non dans l'État. Ça ne doit pas être l'État qui détermine ce qu'on enseigne à nos enfants, surtout quand ça vient à la moralité. Vous savez que nos systèmes d'éducation qui ont beaucoup changé aujourd'hui étaient à la base, beaucoup étaient chrétiens. D'ailleurs, King's College en Nouvelle-Écosse, qui est maintenant connu sous le nom de l'Université de Dalhousie, a été fondée par des Anglicans. L'Université McMaster par les Baptistes. Et en voici quelques-unes. Et puis, il y a un dénommé qui était surintendant de l'éducation qui s'appelait Egerton Ryerson. Il est un méthodiste. Mais il prêchait vraiment l'Évangile. Il fut nommé surintendant de l'éducation en Ontario et il a déclaré ceci, que les jeunes devraient être dotés de bons principes ainsi que de la bonne conscience. Regardez ce qu'il dit, la première exigence pour lui en tant que ministre de l'éducation, il dit la connaissance religieuse.
Où est la connaissance religieuse dans nos écoles? Il dit deuxièmement, la connaissance morale entre le bien et le mal. Aujourd'hui, on a peur de parler de ce qui est mal. On a un monde qui vit du relativisme. Pourquoi? Si c'est bon pour toi, c'est bon. Il n'y a pas de vérité absolue. On enseigne ça maintenant, puis c'est vraiment la force centrale de l'éducation. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. On se pile pas ses pieds, on est correct. On n'a aucune base pour nos croyances, mais c'est correct. Comment faut se réveiller, peuple de Dieu? La prochaine chose qu'il enseignait était une connaissance de l'histoire de l'humanité. Je crois qu'il est important aussi. Le premier système scolaire en Ontario était le système scolaire public, quoi? Chrétien. Où est ce système? Et ce devenu, pour toute la nation du Canada, c'est devenu un peu l'idéologie, la façon de fonctionner dans les écoles. Où est présentement ce système d'éducation chrétienne que nos pères, que nos ancêtres ont travaillé fort pour mettre en place avec la parole de Dieu? Et maintenant, on enlève la parole de Dieu, on enlève les prières, puis on dit, bien, faites ce que vous voulez, enseignez ce que vous voulez. De toute façon, tout est relatif. Come on. Les choses ne sont pas relatives. Ils sont relatifs à la parole de Dieu. C'est ça la vérité absolue. Et puis je veux dire qu'il y a une vérité absolue, puis elle se trouve en Jésus-Christ. Lui, il est venu mourir sur la croix pour prendre nos péchés, afin qu'on ne puisse pas mourir dans ce monde de pécheurs, mais qu'on puisse être sauvé pour l'éternité, puis d'aller avec lui. Ça, c'est relatif. Come on. Je termine avec ça parce que je veux qu'on puisse rendre grâce quand même. On est un pays qui est bien. Puis je prie ma prière, c'est qu'on puisse continuer dans cette direction. Parce que, vous savez, l'action de grâce, si on dit l'action de grâce, oui, je ne veux pas oublier. Juste avant qu'on passe plus loin, on a une école ici chrétienne. On sent que c'est important. Nous, on a décidé d'investir dans une école privée chrétienne pour former nos enfants. Oui, il y a peut-être même des chrétiens qui sont contre ça. Ils disent, mais il va avoir moins d'éducation. Au contraire, c'est faux. On a des gradués ici. Moi, je suis un gradué de l'école chrétienne. Y a-t-il d'autres qui ont gradué de ACA ou du système ACA? Je crois qu'il y a Audrey. T'as pas besoin d'avoir honte. Je sais qu'on est minoritaire ici, mais c'est pas grave. Degré universitaire, très bien réussi. Comment? Vous savez, des fois, on a peur. On dit, mais c'est peut-être pas au niveau. Oui, c'est au niveau. Le programme ACA, c'est au niveau standard de la province, diplôme reconnu de l'Ontario aussi. C'est au standard. Et vous savez quoi? Des fois, on a peur, mais moi, je veux vous encourager. Une éducation chrétienne, je crois que c'est la meilleure éducation qu'on ne peut pas donner à vos enfants. Mais il y en a qui disent, voici l'excuse souvent. Mais oui, mais nos enfants doivent connaître le monde et les choses qui sont dans le monde. Comme ça, on est une lumière dans les ténèbres. Je veux vous dire quelque chose. Lorsqu'on est un enfant, on est comme une petite plante très faible. Et on met où? On protège l'enfant, on l'enseigne dans les voies de Dieu. Une fois qu'il a ses racines fondées en Jésus-Christ, à ce moment-là, il peut sortir dans le monde, il peut être une lumière. Vous savez quoi? Il dit qu'il faut briller dans les ténèbres. Oui, mais c'est pas toi qui brilles, c'est ton enfant que tu mets dans la gueule du loup. Écoute, je ne condamne pas personne. Je sais qu'il y a des gens ici qui malheureusement, ne peuvent pas. Mais nous, on a décidé de faire un sacrifice. Disons, on met nos enfants à l'école chrétienne. Et puis, vous savez quoi? Il y en a qui disent, ben oui. Il faut qu'ils soient une lumière, il faut qu'on les mette dans le monde. Non, on va vous dire le contraire. Apprenez le Dieu de lumière et lorsque vous allez voir les ténèbres, vous allez reconnaître les ténèbres. On n'a pas besoin de vous enseigner les ténèbres pour que vous puissiez les comprendre. Si tu es rempli de lumière, les ténèbres sont très, très présents et on peut les voir, on peut les discerner. Come on, il faut changer notre façon de voir les choses. Il y a de l'information aussi derrière pour cette école privée que nous, on soutient à 100% parce qu'on croit vraiment dans l'éducation chrétienne. Parce que où s'en va notre éducation présentement, j'ai peur. Je crains pour les enfants, nos enfants. Allez faire un tour dans les écoles publiques maintenant et regardez à quoi ça ressemble. Ce n'est pas les écoles des années 60 quand toi, tu es allé au high school. Ça a complètement changé. Ah oui? Il y a toutes sortes de toilettes. Il y a toutes sortes de différentes choses qui se passent. On enseigne à vos enfants que,
Mais peut-être que tu n'es pas un petit gars, tu es peut-être une petite fille. Mais il y a un pénis, c'est un petit gars. S'il y a un vagin, c'est une petite fille. Mais peut-être qu'il y a un pénis, mais peut-être qu'il devrait avoir un vagin à la place. Oui, je sais que c'est excessif. Mais vous savez quoi? Le système d'éducation ne se gêne pas de parler de la masturbation, de parler de ces choses qui sont sales à nos enfants en maternelle puis en jardin. Où est-ce qu'on s'en va? Tu vois des enfants dans des parades, des petits-enfants. Mais oui, c'est bien, il faut les exposer à ces choses-là. Bande d'ignorants, des fois. C'est de l'ignorance, c'est de la folie. Mais on n'a plus de repères moraux. Ah oui, oui, c'est bien, on va les exposer. Peut-être, oui, ça a l'air d'une petite fille, mais on ne sait pas. Come on! Mais j'aime tous ceux, puis j'aime mon gouvernement, puis je prie pour eux sincèrement. Je prie pour tout ce qui se passe dans notre pays, puis je crie vers Dieu, je dis qu'est-ce qu'on doit faire comme Église? Qu'est-ce qu'on doit faire pour dire qu'il doit y avoir un standard moral? Il doit y avoir une base sur laquelle on s'appuie. Sinon, cette société s'en va vers la destruction. On s'en va vers là. Et puis, si je dois être cette voix qui déclare que Dieu prépare des bonnes choses pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui mettent Dieu numéro un. Je sais que je suis à la radio, mais j'aime tous les ministres, j'aime tous ceux. Je sais que des fois, ce n'est pas votre choix. Des fois, il y a des choses qui sortent hors de votre contrôle. On a des ministres qui sont chrétiens. Mais c'est pour ça que nous, on a besoin de prier en tant qu'Église, puis les aimer davantage, les supporter. Écoutez, on n'est pas toujours d'accord avec vos décisions, mais sachez une chose, qu'on prie pour vous. Sachez une chose, on vous aime. Sachez une chose, qu'on aime le Canada. Et aujourd'hui, on peut célébrer la liberté que nous avons. Juste un dernier point, puis on termine là-dessus. L'action de grâce, vous savez, c'est une fête qui a été établie au départ, en 1957, le Parlement canadien a déclaré ceci, qu'à chaque... Le deuxième lundi du mois d'octobre, on devait célébrer les récoltes et rendre grâce des bonheurs reçus pendant l'année. Et ils ont créé ceci, ils ont dit ceci. C'est une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. Moi, quand je pense à Action de grâce, puis quand on voit les images d'Action de grâce, c'est toujours des dindes. Oui, c'est beau les dindes. Mais on doit rendre grâce, moi aussi j'aime la dinde, on doit rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on a comme pays. Come on. Come on. On doit vraiment regarder où sont passés nos ancêtres. Et puis, je veux juste qu'on puisse terminer ce service avec des actions de grâce. Je veux juste qu'on puisse se lever ce matin. On va prendre la communion. Et vous savez, peut-être que vous vous demandez, c'est quoi ce drapeau que tu as mis devant? Et ce drapeau, c'est le drapeau chrétien qui symbolise... Le blanc symbolise la pureté, la paix. Et le rouge, c'est vraiment la croix de Jésus-Christ et son sang précieux qui coule. Et moi, je prie qu'il va couler dans cette nation. Je prie qu'il va couler à Ottawa. Je prie qu'il va couler partout. Alléluia, Jesus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Come on. Père, je te remercie. Fais juste élever vos voix quelques instants. On va juste remercier, Seigneur, pour la liberté de la religion, qu'on est libre de louer notre Dieu dans ce pays. On est libre de pouvoir parler de lui. Vous savez que juste une loi pour vous mentionner, la C-51, puis je sais que il y en a qui disent qu'on doit séparer politique d'avec l'Église. Moi, je crois le contraire. C'est la plus grande gaffe que l'Église de Jésus-Christ ne peut pas faire. On doit être une voix dans la nation. Voyons donc, on ne sépare jamais le gouvernement d'avec l'Église. Ça, c'est une mentalité du monde. Mais toi, tu fais l'Église, puis nous, on fait la politique. Non, c'est ensemble, c'est uni. Il faut comprendre que la famille est le noyau d'une société. Et présentement, la famille est sous attaque. On doit comprendre qu'on doit devenir une voix dans cette nation et non le contraire. Si on s'extrait du gouvernement, on ne devient plus une voix raisonnable, plausible, sage. Et Dieu nous appelle à cela. Le Bill C-51, qui veulent retirer, ça c'est tout un agenda, mais ils veulent retirer cette loi. Il y a une clause dans cette loi qui dit que n'importe qui rentre dans un service religieux ou autre, un service religieux, un rassemblement où il y a un ministre,
pourrait, à partir de cette loi, s'il enlève, pourrait rentrer dans l'église, commencer à crier des bêtises. On pourrait appeler la police et la police ne viendrait pas. C'est de la folie, non? Mais vous voyez, des fois, on n'est pas au courant de ces choses-là. Encore plus loin, quelqu'un qui veut restreindre physiquement un ministre pourrait le faire. Mais moi, je vais mettre Jean-Claude à côté de moi, ils ne vont pas m'arrêter. Peuple de Dieu, il faut commencer à réaliser que toutes ces choses, oui, c'est pas demain. Il y en a qui disent, bah, c'est correct, on a toujours bien réussi, on s'est toujours sorti de ces choses-là. Mais on doit être alerte, on doit commencer à prier. Non, 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 cette nation, elle est libre, libre de louer Dieu. Vous savez quoi, des fois, il y en a qui disent, moi, j'aime mes frères musulmans, puis je suis content qu'eux autres ici ont la liberté de s'exprimer au Canada. Mais là, vous dites, de quoi tu parles? Si eux ne sont plus libres, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne sera plus libres non plus. Si on est contre eux, si on est contre nos frères musulmans, si on est contre les catholiques, si on est contre les méthodistes, si on est contre les autres religions qui écoutent présentement, si on est contre vous, on doit commencer à se lever ensemble et dire, être une voix unie. Puis on dit non, on va avoir la liberté au Canada de s'exprimer comme on veut. Josué n'a pas eu peur de dire au peuple d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez soit le Dieu que vos pères ont servi, ou choisissez, mais à moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Amen, amen, amen. Moi et ma maison, je veux servir l'Éternel. Tu peux servir le Dieu qui te fait plaisir. Sache que j'ai décidé de suivre l'Éternel. Et c'est la beauté de notre pays. Il faut célébrer l'Éternel pour ça. Merci Seigneur pour cette liberté que tu nous donnes dans ce pays de pouvoir s'exprimer. Père, je te remercie pour une unité encore agrandie dans l'Église de Jésus-Christ, dans ce pays, pour pouvoir se lever, non d'une façon qui veut faire du tort, mais d'une façon, Père, pour pouvoir supporter, venir à, parfois à l'aide, au secours des fois des pensées qui sont du monde. Père, je te remercie qu'on devienne cette voix prophétique dans cette nation. Que chaque membre qui sont ici, soit qu'ils soient appelés en politique, il y a des gens peut-être ici, vous êtes appelés à faire une différence. Mais je déclare sur vous que vous allez faire une différence. Je déclare qu'il y a des gens ici qui vont être élus au gouvernement, dans les postes supérieurs, dans les postes d'influence, dans l'éducation. Je prie qu'il y ait des promotions, qu'on vous mette à l'éducation, que vous allez pouvoir dire non, on n'accepte pas ça. Pour nos écoles, ça va être ça qui va être enseigné, puis amen. Comment? Non, il faut commencer à se lever, il faut commencer à croire que Dieu va susciter parmi nous et dans cette nation des hommes et des femmes de Dieu qui n'auront pas peur de se présenter et de dire « Le Canada est dominé par Dieu Tout-Puissant. » D'une mer à l'autre, c'est Dieu qui domine dans ce pays. Come on, merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ton sang précieux qui nous a rachetés. Comment est-ce que tout le monde a reçu? Si l'équipe veut juste avancer devant avec moi, puis Père, merci pour tous ceux qui nous regardent. Merci pour nos frères québécois, nos sœurs québécoises et la francophonie en général au Canada. On te remercie, Père. Père, nous sommes le peuple choisi. Nous sommes ceux qui vont faire une différence, Père. Même au gouvernement, je te remercie. Père, qu'on n'ait pas peur. Qu'on soit une lumière dans les ténèbres. Père, donne-nous ta sagesse, ton discernement. Parle, parle à nos cœurs, parle à chaque cœur ici, dans ce lieu. Et Père, de la même façon que tu as donné ta vie, pour nous donner la vie, je déclare, Seigneur Jésus, que ton corps n'est pas meurtri en vain dans ce beau pays, Seigneur. Père, je te remercie que les cœurs vont commencer à se retourner vers toi. Père, que le Canada puisse reconnaître encore une fois, Seigneur, que tu es suprême. Père, on te prie. Père, envoie ton Saint-Esprit. On a besoin d'un réveil. Le réveil est ici présentement, au centre réveil. Et je déclare que ça puisse sortir partout, partout. Père, je déclare que dans ce lieu, sortent des évangélistes, sortent des hommes et des femmes d'influence. Père, je te remercie. Père, merci. Qu'on ne veut plus rester assis sur les bancs et regarder toutes ces choses se défiler. Mais Père, on veut faire partie de ton plan. On veut faire partie de ta stratégie. Père, tu savais, depuis la fondation des temps, le temps, l'heure et l'époque dans laquelle on vit présentement.
Et Père, tu es mort, tu as dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et Père, je te remercie pour un réveil. Va toucher présentement notre premier ministre, Justin Trudeau, et toute son équipe. Père, toute l'équipe des libérales. Père, je te remercie pour le bien qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et Père, je te remercie que tu vas toucher tous les cabinets, le Sénat, Seigneur Jésus. Tu vas aussi toucher, Seigneur Jésus, la Chambre des communes. Père, on te prie qu'il y ait une visitation surnaturelle de ton Saint-Esprit pendant les rencontres, que même ceux qui étaient contre certaines lois, qui puissent, ou pour certaines lois, qui deviennent contre tout à coup, ils ne savent pas pourquoi, mais ils se lèvent sous la conviction du Saint-Esprit et disent non. Non, on n'accepte pas ça, on refuse. Père, je sais que tu es un Dieu miraculeux. Comment? Élevez vos voix, peuple de Dieu, Église, Centre Éveil International, ceux qui viennent de Québec, comment? Lèvons nos voix et déclarons maintenant que Jésus-Christ est le Seigneur dans cette nation. Père, tu es capable de faire taire les voix qui s'élèvent contre l'Église et tu es capable de susciter d'autres voix qui vont parler pour l'Église. Père, on te remercie. On veut te donner toute la gloire, toute l'honneur pour ce que tu fais davantage. Merci, papa. Père, merci. Chorosi qui remande la chair. Karna baba baba rashi qui libriande la chair. Mangeons ensemble ce pain. Amen. Demandez à Pasteur Denis de juste pouvoir prier pour le vin, la coupe. Prenant cette coupe, Seigneur, on te remercie de la nouvelle alliance que tu as accomplie avec ton peuple. Merci, Seigneur, car ta grâce surabonde dans ce pays du Canada. Et Seigneur, ce matin, en prenant cette coupe, Seigneur, on se souvient de ta mort, de ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, pour les familles qui sont représentées ici. Que tu bénisses chacun de nous dans le nom de Jésus. Vivons tous ensemble. En même temps, vous venez par le biais de la radio. Sachez qu'on vous aime. On va prier pour ceux qui nous écoutent par le biais de la radio présentement. Et Seigneur Jésus, que tu puisses toucher chacun qui écoute présentement. Père, que ce soit un ministre, un député, que ce soit n'importe qui écoute présentement, touche-les par ton Saint-Esprit. Envahis leur véhicule, envahis leur maison, envahis leur foyer présentement. Père, merci que tu es papa, tu es le papa du ciel et que tu réponds aux besoins du Canada, Seigneur Jésus. Père, on veut être une bénédiction comme nous sommes présentement pour les autres nations. On te remercie pour ce rôle important que le Canada a joué dans les nations. Et Père, on te remercie que le Canada puisse demeurer ce pays sage. Ce pays, Seigneur, lorsqu'ils vont regarder le Canada, ils vont dire « Wow, quelle sagesse! » Et Père, qu'on n'oublie jamais que c'est toi. Père, on ne veut pas te sortir de nos chartes, on veut te garder là, Seigneur. Père, on sait que c'est toi, Seigneur Jésus. On sait que c'est toi qui fais la différence. Remplis chaque cœur. Les Canadiens et Canadiennes qui nous regardent et tous ceux qui sont dans ce pays, qui vont devenir Canadiens ou Canadiennes, remplis-les aussi de ta présence. Remplis-les de ton Saint-Esprit. Maintenant, Père, agis. Agis sur cette Église. Agis sur nos assemblées. Agis, Seigneur Jésus, on a besoin de toi. Père, qu'il y ait un mouvement de l'Esprit dans cette région comme jamais. Que ceux qui sont malades recevez la guérison maintenant dans vos corps, dans le nom précieux de Jésus. S'il y en a qui sont malades présentement dans ce lieu, il y a quelqu'un qui a mal au côté gauche dans son dos, dans le haut du dos, et aussi quelqu'un qui a mal derrière la tête. C'est vous, ça peut être une souffrance au niveau des maux de tête chroniques. Peut-être que vous nous écoutez par la radio, par l'Internet. Si c'est vous, avancez-vous. Je prie avec vous. Quelqu'un qui a mal dans le mollet droite. Mollet droite, si c'est vous, va avancer. On veut prier avec vous. Quelqu'un qui a mal aussi tout devant de la jambe ici. Je ne sais pas si c'est un accident ou quelque chose. Si c'est vous, commencez à venir en avant. Au moment où vous allez être obéissant à cette parole, Dieu Saint-Esprit va commencer à guérir. Peut-être c'est vous par Internet. Si vous êtes dans nos campus, avancez-vous devant. Il y a un membre de l'équipe là-bas qui va prier avec vous et on va croire la guérison divine. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal dans les endroits où j'ai mentionné? Je sens vraiment fort quelqu'un a vraiment la jambe ici devant. Là. Il y a quelqu'un qui a vraiment des grandes douleurs. Si c'est vous, ne gênez-vous pas. On est ici pour prier. Si jamais il y en a d'autres qui ont besoin de prière, des fois, les gens viennent pour se donner après. Ils disent « Ah, c'est moi là, qui avais mal là. » Ben, avancez-vous tout de suite. C'est la foi qui est bâtie. Pourquoi est-ce que Dieu nous montre ces choses-là d'avance? Afin que votre foi puisse être bâtie. Amen.
Je vous aime. Soyez bénis. Centre Réveil International. Devenons la voix que Dieu désire qu'on puisse être dans cette nation. Bonne fête du Canada. Soyez remplis. Amen. Chef, oui, tu es tout en moi. Jésus-Christ, tu es bon, ce désir. Seigneur, en ton bon qui te connaîtra jamais. En amour, inonde tout mon être, c'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, en plan mon cri, te connaîtra jamais.